mot. Ouais, c'est bizarre là. On se retrouve donc toujours avec les cinq demoiselles qui apparemment d'ailleurs ont pris un rythme un peu plus rapide. On se retrouve donc avec Erika qui est en train de monter 43 secondes. Oui, elle veut être le second là. 43 secondes. C'est faisable, mais ça va être difficile. Alors qu'on voit que niveau des avantages du côté de avantage du côté de l'Australie pour le Fiona et le trio de notre fois, ce sera la troisième place. 35.
Voilà, c'est ce qui confirme ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Le 35 Kimberly Wales, redoutable finisseuse, comme on l'a pu le remarquer. Elle a eu la chance de passer le dernier virage de la première position, une première position qu'elle est parvenue à garder jusqu'au bout de ce sprint. On a donc une très très belle victoire sur laquelle elle s'est imposée. Aujourd'hui, eh bien, c'est Kimberly Wales qui s'impose tandis qu'au niveau du sprint, également pour le sprint, pour la sixième place, un sprint qui valait à l'avantage de Suzanne Andersen pour l'équipe norvégienne devant Daniel Agam, l'allemande de sprint. Alors, nous allons accueillir sur la troisième place du podium une de nos espoirs féminines, espoir de deuxième année, Saartje Vandenbroek. Voilà. Sur la deuxième place, c'est comme l'année dernière, Fiona. Fiona Dutrillon. Et à la première place, Kimberly Wales. Voilà, je vous demande de les applaudir comme elles le méritent. Elles viennent quand même de réaliser 95 km. Enfin, elles viennent de rouler 95 km. À la deuxième place, c'est. On va bientôt finir par l'appeler notre poulie d'or de Nodini. Notre poulie d'or de Nodini, mais c'est. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle est toujours sur le podium déjà. C'est bon ? Voilà. Donc. Kimberly Wales, que je vous demande donc d'applaudir, vainqueur aujourd'hui. Une demoiselle d'expérience, vous en parlez tout.